que la vie de cet enfant soit libérée totalement. Au nom de Jésus. Grâce, Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu as touché le père, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, donnez-moi comme ça. Qu'est-ce que tu as fait comme ça? Donnez-moi la porte sur la carte. Donnez-moi comme ça. Le Seigneur libéré. Ce matin, Dieu me dit, il y a des vies. Ce que Dieu va faire, si on vous demande, témoigne même dans le média. Parce que nous voulons que les autres, chaque fois, les vies que les gens viennent. Et toi aussi tu viennes pour témoigner Dieu. Au fur et à mesure où on témoigne Dieu, Dieu fait des grandes choses. Au fur et à mesure où on témoigne, Dieu fera des grandes choses. Amenez là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quelqu'un pour quoi? Oh, 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 dis-moi. Comment quelqu'un va le mal? Faut identité. Ils avaient prévu quoi? Ils avaient prévu quoi? Elle arrive à se mettre de nous parce qu'elle est mal. C'était fou l'identité. Ils avaient prévu quoi? C'est qu'ils avaient prévu quelque chose de mauvais contre la vie de cette sœur. Regarde-moi. Maggie, regarde-moi. Qu'est-ce que tu as senti? Tu commences à J'ai appris à me suivre la vie de la tante. Ah, mets-toi debout. Vous voyez comment ça se passe? Même le nom, elle n'arrive pas plus à regarder son nom. Il y a des choses que Dieu doit amener la délivrance. Maman, si vous avez laissé les enfants à la maison, c'est matin dès que vous rentrez, imposez le nom. Commencez à déclarer, commencez à effacer. J'avais donné le nom sous l'ignorance et j'ai compris la parole. J'efface tout ce qui est derrière le nom de mes enfants. Et cela soit parti. Au nom de Jésus. Tiens comme ça maintenant, Jésus. Vous avez dit ce que j'avais demandé de 5 noms, non? Est-ce qu'on l'a touché? C'était ce parent qui avait la délivrance. Nous sommes là, ça c'est notre deuxième titre. Dimanche ne manque pas. Comment tu peux garder ta délivrance? C'est lorsque tu es dans la présence de Dieu tout le temps. Il ne faut pas seulement, on fait la prière quand tu es à la maison. Et ils vont aller te suivre. Mais au fur et à mesure, tu continues. C'est la Bible, celui qui persévérera sera sauvé. Quand tu persévères, Dieu est en train d'amener encore le salut. Dieu est en train d'établir le salut, il fera encore des grandes choses. Ce matin, ceux qui se marient, pas ils vont se marier. Ce matin, ceux que leur vie était bloquée, ils vont voir la délivrance. Ce matin, tout ce qui était caché derrière ton nom, tu vas témoigner que Jésus m'a libéré. C'est comme ça, au nom de Jésus. Là, on n'avait pas même dit le faire. Là, maintenant, on va libérer le feu. Ça dit que derrière mon nom, je mets le feu de Dieu. Et je renonce. Tu vas prier, mais je dis, je renonce. Je n'appartiens plus à votre famille. Je suis même de la famille de Jésus-Christ. Avec tout ce qui a été des routines, avec tout ce que vous avez fait dans ma vie, je suis devenu une nouvelle créature. Ma vie ne sera pas plus votre vie. Tous les liens qui me lient avec vous, je les arrête. Et je commence une nouvelle vie avec Jésus. Amen. Tiens, comme ça maintenant, c'est la délivrance. Je vois la puissance de Dieu. Je vois la puissance de Dieu. Ferme les yeux. Je vois la puissance de Dieu. Personne ne va t'arrêter de ne pas aller de l'avant. Personne ne t'arrêtera de ne pas vivre le bonheur de ta vie. Personne ne t'arrêtera de toucher le miracle de ta vie. Parce que Jésus est Seigneur. Nous allons maintenant invoquer le feu. On va invoquer le feu.
on va révoquer le feu. Pendant que c'est temps là que tu vas prier, tu vas faire le feu. Je renonce à la famille interne. Si tu veux le nom de la famille, je renonce de cette famille. Je sors, je n'appartiens plus de cette famille. Je suis de la famille de Dieu. Je coupe tous les liens qui me lient avec vous spirituellement, afin que vous puissiez me bloquer. Vous avez écouté, tous ceux qui sont condamnés, c'est toujours la famille. On va aller, dès que je compte un jusqu'à quoi, ne sois pas discret. Parce que elle Mandareka ba. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. C'est un matin de miracle. Un matin de feu. Allez, le faux, le faux. Ça c'est faux identité. Ça c'était faux identité. Ça c'était faux identité. Allez, va vite. Va vite. Va, libère. Libère. Libère vite. Faux identité que vous l'avez donnée. Pour souffler à cac, à mon passe. Hein? Faux identité. Personnes qui sont dehors, qui n'ont pas pu venir ou qui ne connaissent pas encore l'église Christ vivant, cet événement qui vient de se passer ce matin. Quel est le message que vous avez à leur dire? Eh bien, avec leur famille, les enfants. Ok, merci beaucoup, merci. Et vous avez un petit message pour les personnes qui ne connaissent pas encore cet événement, pour les personnes encore qui ne voient du loin. Quel est le message que vous pouvez donner pour les encourager à venir tous les vendredis soir passer à ce culte? Devenir le vendredi, soir, nuit, prier, par contre à connaître Dieu, ça peut chacun de Dieu pouvoir en manifestant des miracles. Parce que Dieu nous permet de miracles. Ah, Dieu il opère des miracles. Merci beaucoup, ma soeur, qui est venue. Merci. Bonjour maman, comment allez-vous? Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cet événement de cette nuit? Puissamment, il y a eu nous avons vu ce soir qu'il y a beaucoup de gens qui ont été délivrés, il y a beaucoup de gens qui ont vu la main de Dieu. Donc est-ce que cet événement vous l'attendiez ou c'est quelque chose qui vous a surpris? Pour moi c'est une réponse. Pour les personnes qui nous écoutent, qui sont à la maison, qui entendent peut-être de loin, qui ont peur, qui hésitent à venir à l'église du Christ vivant, quel est le message que vous pouvez passer à ces personnes pour les encourager, pour les estimer à venir à l'église du Christ vivant? Demander, c'est de venir, de venir pour assister les fils un dimanche, écouter la parole de Dieu, et Dieu va leur témoigner ce qu'il fait et par lui-même. Parce que ce que je peux dire, pour moi, c'est tout ce que je veux ici,
Vraiment, je manque de mots. Je manque de mots. Mais j'inviterai les autres à pouvoir venir ici. Et puis, ils verront la mère de l'éternel. Ah, merci beaucoup, maman. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et on espère vous voir encore vendredi prochain. Donc, comme vous avez entendu, c'est notre maman qui est venue aujourd'hui participer à ce culte de nuit avec nous. En tout cas, comme elle l'a dit, elle a vu beaucoup de choses dans lesquelles elle ne s'entendait pas. Vous qui êtes encore à la maison, vous qui hésitez encore à nous rejoindre ici à l'église du Christ vivant, je vous encourage. Vendredi prochain, à partir de minuit, nous sommes là à l'église du Christ vivant. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Comme vous venez de voir, donc c'est le culte de nuit. Tous les vendredis soirs, nous sommes là à l'église du Christ vivant. Donc nous avons vu beaucoup d'événements, nous avons entendu des témoignages. Donc vous qui nous écoutez à bord de loin, n'hésitez pas, tous les vendredis soirs, nous sommes là à l'église du Christ vivant. Merci et à très bientôt.